On a fait quand même un mouvement qui était là aussi très costaud et puis on n'a pas réussi à faire reculer Sarkozy. Donc voilà, on sait qu'une fois qu'on démarre une mobilisation, une fois qu'on a des belles manifs, comme on a eu le 12 et comme même aujourd'hui, ça restait encore des belles manifestations, on sait que ça ne suffit pas. Donc le problème qui nous est posé, c'est comment à partir de là, on peut arriver à stopper les attaques ultralibérales, à faire reculer le gouvernement Macron, mais même au-delà de stopper ou d'empêcher les ordonnances, c'est aussi toute une question politique de comment on fait que la roue tourne et comment on arrive non seulement à se défendre aujourd'hui, mais à repasser à l'offensive et à regagner ce qu'on a perdu ces derniers mois. Et à rediscuter de progrès social, d'avancer, de rediscuter des acquis sociaux. Et c'est tout le problème qu'on a, c'est de se remettre en marche véritablement, sans faire de jeu de mots, avec le président actuel. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à discuter franchement de comment on met en place la stratégie pour la lutte et comment au bout du compte on essaie de gagner. Et c'est vrai que c'est pour ça, tout à l'heure j'en ai parlé, je vais pas le redétailler maintenant, mais c'est vrai qu'on a un souci avec les stratégies des directions syndicales, on a un souci y compris du côté de France Insoumise et de Mélenchon, à pondre des dates sans faire le lien avec les autres et finalement à créer des débats entre nous, des disputes qui sont logiques, parce que finalement ça correspond à un problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour être fort, il faut être uni, et pour être uni, ben, il faut discuter clairement de comment on reprend la rue, comment on change le rapport de force, comment nous, notre camp social, hein, le camp des opprimés, des exploités, des salariés, hein, de ceux qui ont un boulot, de ceux qui n'en ont plus, hein, des anciens ou des jeunes, voilà, c'est notre camp social, comment il peut reprendre de la force, et sa force à lui, c'est le nombre, mais aussi c'est aussi le rôle qu'il joue dans l'économie, et le rôle qu'on a dans l'économie, c'est celui de produire les richesses, et donc forcément, le moyen de pression qu'on a, hein, le moyen politique qu'on a pour changer la donne, eh bien, c'est la grève générale. Alors une fois qu'on a dit ces mots, hein, il y en a qui aiment bien ce mot-là, d'autres qui l'aiment moins, mais bon, après, c'est comment on construit tout ça. Mais c'est vrai que c'est des trucs qu'il faut qu'on arrive à discuter franchement. Donc là, aujourd'hui, on est confronté à ça. Voilà, on voit que ça va être compliqué. Compliqué parce que la crise, elle est dure, parce que la société, elle est violente. Les rapports humains, les rapports sociaux sont de plus en plus violents. Hein, on parle beaucoup de la répression du mouvement social. Il y en a des collègues qui vont en parler tout à l'heure. Hein, que ce soit les zadistes à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit les syndicalistes, on est confronté à une répression policière, à une violence policière qui relève d'une violence d'État pour faire taire, pour museler la population. Donc on a ce problème-là, mais globalement, il y a une société qui est ultra-violente. Ultra-violente parce que aujourd'hui le travail, c'est de plus en plus dur. Au chômage, on galère parce qu'on n'a pas de quoi vivre, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas de quoi, ou de moins en moins, de quoi se loger correctement ou de se soigner correctement. Mais même quand on a un boulot, c'est de plus en plus dur. Hein, la pénibilité, les maladies professionnelles, y compris, vous avez vu, les burn-out et les suicides, tout ça, c'est une réalité quotidienne. Hein, c'est la surexploitation capitaliste aujourd'hui. Donc c'est ça, la violence de la société. Et puis aussi la violence dans la société, c'est les inégalités sociales qui se renforcent, c'est les discriminations, c'est le racisme qui monte. C'est aussi les idées d'extrême droite qui deviennent de plus en plus présentes. C'est aussi le refus d'accueillir des migrants et même de faire la chasse aux migrants et de les faire mourir dans la mer Méditerranée ou aux frontières aujourd'hui ici. Donc tout ça, c'est on est dans un monde ultra-violent. Et la violence, c'est aussi la richesse, ultra-richesse, on s'en rend compte, on en a parlé, mais c'est complètement fou. Bon là, on rigole pas parce qu'on respecte tout du humain, mais Bettencourt est morte. Bon voilà, on pleure pas non plus. Mais les 40 milliards de Bettencourt, qu'est-ce qu'ils deviennent? Hein, c'est quand même dingue aussi que ces gens-là ils puissent avoir autant. Hein, nous, on gagne sur toute une vie, on gagne même pas 1 million d'euros. Enfin, après, on peut refaire les calculs. Mais voilà, des gens ont 40 milliards d'euros comme ça entre leurs mains. Et donc, c'est aussi ça. Ça relève d'une violence de la société, de cette capacité de cette classe sociale-là de s'enrichir hein, sur le dos des autres, sur la mort des autres, sur la dégradation de la santé de millions de gens. Et puis, en même temps, de justifier des reculs sociaux, de justifier des attaques. Et tout ça, mais ça révèle aussi ce monde-là ultra violent. Donc voilà, on est là-dedans et c'est ça qui fait que c'est difficile de relever la tête. Et on le voit bien, les collègues autour, on voit bien quand on discute comment on peut se défendre, comment on peut arriver à retrouver de la confiance en nous-mêmes, et, hein, de la dignité et de la confiance. Mais c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on discute de la société, de ce qui se passe, de discuter de comment on peut recréer du lien, recoordonner et s'appuyer sur les batailles qu'il y a. Parce que moi je parle de la. François aussi en parlait de la résignation. C'est vrai qu'on voit bien la résignation des gens qui baissent la tête, la difficulté qu'il y a à se battre. Mais c'est aussi tout le problème de comment. J'ai oublié le truc que je voulais dire, hein, ça m'arrive assez souvent ce truc-là, c'est le problème de ne pas avoir du papier. Mais c'est donc la question de la confiance en soi, c'est qu'on voit aussi, on se rend bien compte que pour se battre aujourd'hui, parce que se battre, il y en a plein qui ont envie de se battre en fait. Il y en a plein parce qu'en fait, des raisons de se révolter, comme je disais, c'est infini, le monde est dégueulasse, il y a l'envie de dire merde, il y a l'envie de gueuler, il y a l'envie de protester, et sauf qu'on le fait pas collectivement parce que on s'en sent pas la force, parce que on s'en sent même des fois pas la légitimité, tellement la propagande ultralibérale, tellement les discours méprisants, arrogants, des Macron, mais pas que des Macron, du MEDEF, de plein de gens aujourd'hui, ont tendance plutôt à nous écraser. Donc on voit bien qu'il faut qu'on arrive à se libérer de ça.
s'émanciper de ça. Donc c'est pour ça que c'est une discussion politique qu'il faut qu'on arrive à avoir, de comment ça peut changer, comment, et le problème aussi, donc, de reprendre confiance pour oser défendre nos propres intérêts collectivement, hein, puis, et en même temps d'oser défendre des idées plus radicales. Parce que là, on discute des ordonnances et tout ça, mais pourquoi ? Il faudrait discuter d'interdire les licenciements. Il faudrait discuter d'une véritable protection sociale qui permette la santé gratuite pour toutes et tous. Discuter de l'éducation, discuter de la culture pour toutes et tous. Et ça, c'est oser revendiquer ça. Ce serait oser revendiquer que si les capitalistes ne sont pas capables de gérer le système de manière à faire vivre la population décemment, eh bien, nous, ce qu'on veut dire, c'est réquisitionner. On prend en main l'économie. C'est l'histoire de l'autogestion, c'est l'histoire du contrôle ouvrier sur la population. On a besoin de discuter. Comment on ose remettre ça en avant ? Parce que c'est vrai que même des fois, même les 32 heures, on n'ose même pas en parler, tellement on explique que les 35 heures, c'est dépassé. Hein, vous avez, il y a plein de gens qui passent à la télé, même un soir de manifestation, qui sait qui parle à la télé ? Ce sont des experts qui vont expliquer que tout ça, c'est bien dépassé. Et comme on disait, je ne sais plus qui, c'est vrai que les réformes, ils n'osent plus dire ça, ils appellent ça moderniser. Hein, vous avez vu ? Donc on est là-dedans. Donc on a besoin de discuter ça. Et tout est en lien, finalement. C'est que si on arrive à coordonner, si on arrive à résister ensemble, si on arrive à s'appuyer sur les batailles qu'il y a aujourd'hui dans la santé, hein, dans l'ensemble des services publics, hein, même y compris donc les ZAD, hein, contre Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, hein, un peu partout, y compris des batailles contre le racisme, hein, les batailles, mais comme tout à l'heure, pour le droit à l'avortement, hein, pour les droits des femmes aujourd'hui qui sont de plus en plus remis en question. Donc si on arrive à faire la jonction de toutes ces batailles-là, et avec évidemment la question de l'emploi, la question du code du travail, on devient une véritable force, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et ce qui nous manque aujourd'hui, et ça c'est la critique qu'on peut faire quand même, hein, c'est que les dirigeants syndicaux, je ne suis pas obsédé par les dirigeants syndicaux, mais ça pose un problème quand même, c'est pourquoi on n'arrive pas à discuter de ça ? Pourquoi on n'arrive pas à poser des problèmes comme ça ? Pourquoi on n'arrive pas à dire, mais bien sûr qu'il faut faire ensemble, bien sûr qu'on ne va pas éparpiller les luttes, hein, c'est une aberration aujourd'hui de faire plusieurs luttes comme ça, pourquoi ? Et ça, c'est un problème qu'on a, de qu'il faut arriver à imposer ces discussions-là, oui, de discuter de la reconstruction d'un mouvement social, de la construction unitaire et de la construction dans la rue. Il faut qu'on se batte, notre force, elle est dans la rue, elle est dans la grève, elle est dans un mouvement finalement de classe contre classe. Encore une fois, Ruffin parlait de la lutte des classes qui était gagnée par les riches, hein, la déclaration de Warren Buffett. Bon, mais nous, cette lutte de classe, il faut qu'on l'amène, il faut qu'on ose en parler, il faut qu'on discute de camp social, de classe sociale, et que oui, on est confronté au pouvoir des capitalistes, au pouvoir des possédants, qui s'enrichissent de plus en plus, et que forcément, il y a confrontation, donc il faut en discuter, la préparer, et c'est dans tout ça qu'on peut retrouver le moral, qu'on peut retrouver la confiance, et qu'on peut retrouver ce sentiment que, finalement, on peut agir et faire beaucoup de choses tous ensemble. Donc c'est ces points-là, et les meetings comme aujourd'hui, donc je le dis parce que c'est important, l'initiative de l'intersyndicale au Havre, c'est important, parce que c'est pas si fréquent que ça aujourd'hui, mais d'arriver à faire en sorte qu'on se retrouve ensemble, qu'on puisse discuter ensemble, se poser les problèmes ensemble, parce qu'au bout du compte, évidemment, l'enjeu c'est quand même celui-là, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on gagne, il faut qu'on arrive à changer les choses, donc voilà, c'est tout ça. Et ça passe par de la révolte, ça passe par libérer la colère, et puis voilà, bon, j'arrête un peu comme ça.